En marge des activités liées à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, la bourgmestre adjointe de Fongourmé a présidé ce jeudi 17 mars 2022 la cérémonie de reboisement sur le site de Manomapia, situé au quartier Mouelampande, après avoir planté un arbre. Armandine Moukekwa a saisi l'occasion de vulgariser les avantages environnementaux du reboisement. Mitalomba ko kufamwa mkomi na Fungurume haina sema binishi hapa. C'est un exemple ile tunapenda kabla kuba femme bote ba mkomi na Fungurume. Donc il faut kuendelesha kotesha michi. Wala mumampango, wala mumamashamba enu moteshe ko michi njwa kukombatire ko mambo ya madeze, kombatire ko bintu bya kwa chana chana. Parce kama tunakuwa besoin tunakata paka michi. Je sais que kila mumoja hapa inutilize sana makala. Mais pour que tukombatire bile bintu, il fallait totesha ta marbre fruitier. Respectueuse des normes environnementales, l'entreprise Tinke Fungurume Mining a accompagné l'autorité municipale dans la lutte contre les réchauffements climatiques. Événement iko munene iko ya mafasi sana. Juu ya nini? TFM ni kampuni ile iko respectueuse ya ma norme environnementale. Anakuya ku contribuer ku ile effort non seulement mu concession yetu, mu inchi yetu, mais na ulimwengu muzima. À l'issue de cette action, plus de 500 plantilles ont été plantées par les femmes de différentes structures, dont celle de la Fondation Armandine Moukekwa, qui plante un arbre, sauve la nature et lutte contre les réchauffements climatiques.